Amendement numéro 4, monsieur Favennec. Oui, merci monsieur le président. À l'UDI, nous voulons, avec cet amendement, nous assurer que l'inscription du principe de l'indisponibilité du corps humain dans la Constitution n'aura pas de conséquences sur le don de sang ou encore sur le don d'organes, je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre de la discussion générale, mais que cela aura bien pour principal objectif de garantir la prohibition de la gestation pour autrui en droit français. Je rappelle que le don d'organes est important, il doit être absolument préservé, de même que le don du sang. La pénurie d'organes est un véritable fléau. Plus de 20 000 malades sont inscrits en liste d'attente chaque année, alors que seulement 5 300 greffes ont été pratiquées au cours de l'année 2014. Je voudrais à nouveau remercier et féliciter et rendre hommage à tous les bénévoles qui, dans nos départements, je le vois dans mon département de la Mayenne, œuvrent dans ce domaine. Et je ne voudrais pas que ce texte vienne gâcher le travail qu'ils font au quotidien. Je vous remercie.